Christ dit que le diable est un voleur. Il vient pour voler ta paix. Il vient pour voler ta joie. Il vient pour voler ton argent. Il vient pour voler tes enfants. Il vient pour voler ta santé. Il vient pour voler tes finances. Mais un voleur vient quand? Quand les gens dorment. Quand tu dors spirituellement. Quand tu ne pries plus assez. Que tu es endormi. Quand tu as dormi, endormi dans la chair, à cause de la faiblesse de la chair, quand tu ne veilles plus et tu ne pries plus, c'est là que le diable vient pour voler. Il cherche la fenêtre ouverte. Il cherche par quel moyen il peut avoir accès dans ta maison. Il essaye d'entrer par la porte convoitise, par la porte amertume, par la fenêtre rancune, par la fenêtre jalousie, par la fenêtre méchanceté. Il cherche une fenêtre ouverte. Il cherche une porte que tu as laissée ouverte. Pour entrer. Alors, il faut le résister. Mais comment peux-tu le résister? D'abord en te réveillant. En te réveillant. En veillant et en priant. Et comment tu peux encore le résister? En fermant les fenêtres d'accès. En fermant toutes les fenêtres par lesquelles il peut entrer. Sinon, si vous ne fermez pas l'accès, si vous donnez accès aux démons, le voleur va rentrer dans les démons, dans votre maison. Vous allez passer toute votre vie, tout votre temps à vous chamailler avec lui, à vous battre avec lui, au lieu de passer tout votre temps à contempler la grandeur et la splendeur de Jéhovah. Bonjour, chers amis téléspectateurs. À Cadizot, ça va être une grande joie que nous puissions partager parole à bon Dieu. Mais avant de commencer, partager parole là, en voulant par les autres des émissions à nous que nous avons fait, notre mission que nous faisons avec Showroom, avec Jean-François. Et ce qu'on voulait expliquer aux autres, une chose qui est très importante, c'est pas d'abord une émission religieuse, Faut nous accepter que, il n'y a pas que la religion. Il y a le travail, il y a la vie, il y a la famille. Et c'est important que nous puissions débattre de tous les problèmes de la vie. Et lorsque je suis avec Jean-François, on a essayé, par la sagesse que Dieu m'a donnée, d'éclairer les gens à propos de la vie. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre génération, surtout nous les Afros, parce que je parle beaucoup aux Afros, parce que c'est télé-anti. Télé-là, c'est pour antillais, en majorité. La plupart d'auditeurs sont des antilles. C'est pour cela, là où nous qu'à débattre de la société antillaise. Il ne faut pas que lorsque Jean-François me pose des questions sur les Antilles, que Zotka pensait que nous sommes acharnés sur les Antilles. Ce n'est pas un acharnement. D'abord, moi, je réponds aux questions. Je réponds aux questions qu'on me pose. Et ce n'est pas moi qui choisis les questions. C'est Jean-François qui pose ces questions. Et encore trouver normal qu'il pose des questions sur les Antilles, parce que c'était les Antilles. Voyez. Et puis, à part penser que c'est une faveur que vous avez d'avoir une télévision antillaise, et nous qu'à essayer de faire évoluer société à nous. Nous essayons de faire évoluer la société antillaise. Voilà un des problèmes qui est grave de la société antillaise. Un des problèmes, quelques problèmes qui sont vraiment épineux dans la communauté antillaise, pour peuple à nous. La première chose, c'est l'attitude de père. Eux-mêmes savent le nombre de familles monoparentales que nous avons aux Antilles. Eux-mêmes savent qu'un paca exagéré, le nombre de pères qui ne s'occupent pas de leurs enfants. L'homme antillais
dans la globalité, on dit bien l'exception fait la règle. L'homme entier, dans la globalité, ne s'occupe pas des enfants. Alors, nous, là, pour conscientiser tous les hommes, pour dire, bougamouin, faut nous changer ça. Faut nous prendre soin des timounanos. Faut nous financer études, éducation à timounanos. Est-ce que c'est un crime de dire ça? Ou bien, faut nous continuer toujours avec un orgueil, une fierté mal placée, et nier un problème qui est là? Imaginez-vous quelqu'un qui a un cancer et qui nie qu'il a un cancer. Eh bien, il va vivre les conséquences. Plutôt, tu soignes ton cancer, mieux c'est. Deuxième problème récurrent que nous nions aux Antilles, c'est problème de, comme nous l'a dit, de dépeuplement. Une politique de dépeuplement que moi j'ai dénoncée. Nous constatons, comme nos élus, que les Antilles sont de plus en plus dépeuplées. Timounano a quitté les Antilles. En l'Omounla, yo en métropole, c'est pas seulement par plaisir. Yo là parce que tu es venu chercher du travail. Une bonne majorité. Et une bonne partie sont déplacés d'une manière insidieuse. Comme Yoka dit Staline, comme les Européens, ils aiment trop critiquer la Russie, mais ils sont pas mieux. Ah, Staline était cruel, il déplaçait des populations. Mais la France dépeuple les Antilles, mais d'une manière insidieuse. Un Antillais veut être agent de police ou fonctionnaire. Qu'est-ce que vous faites? Il doit faire une formation en métropole. Et bien sûr, il n'y a pas de formation. Il fait pas ça aux Antilles. D'abord, c'est vicieux. Il vient faire une formation en métropole. Une fois qu'il fait sa formation en métropole, on ne lui donne pas le choix. On l'oblige de travailler en métropole. Donc, il est obligé de quitter pays haï, de quitter papa haï, de quitter famille haï, de quitter casa papa haï et de s'installer en métropole. Et lorsque le petit jeune homme veut retourner dans son pays, il fait une demande, il a dit, je ne suis pas habitué avec les froids. Culturellement, la France n'est pas les Antilles. Hein. Je peux dire ça, vous voulez. Ah là, les Antilles, c'est la France, mais culturellement, il y a l'autre différence. Alors, tu veux rentrer dans ton pays, on te dit, mais non, il faut attendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens en métropole qui ont fait leur demande. Ils sont pas des Antilles, mais ils ont envie de goûter au soleil. Ils ont envie d'avoir 20% plus de salaire, vie chère. Ils veulent être au soleil, bénéficier de l'été toute l'année. Alors, vous prenez les enfants du pays qui retournent pour de besoins humanitaires, besoins humanitaires, humains même, j'ai dit humains. Il veut retrouver sa famille, il veut retrouver son pays. Combien de nos parents aux Antilles, ils ont de grandes maisons, 5 chambres vides. Hein? Des parents qui sont mamies, qui sont fatigués et qui auraient voulu être avec leurs enfants. Ils ont de grosses villas, 5, 7 chambres libres. Alors, Timounla, ici, il doit payer un studio 700 euros, 1000 euros, gaspiller son argent quand, dans son pays, papa et maman, ils n'ont maison. Et on te met dans une liste, tu es 10e, tu es 12e, dans une liste où il y a... Et je trouve que politique, là, faut que ça change, parce que même nos élus constatent que les Antilles, c'est des peuples de plus en plus. Et c'est une politique de la métropole. Voyez, il faut nous arrêter politique là. Voilà, c'est un sujet à débattre. Et troisièmement, le manque aussi d'éducation sexuelle.
Des traductions, le père ne parlait pas sexualité à son fils et la mère ne parlait pas sexualité à sa fille. Et c'est ce qui fait que les hommes s'éduquent eux-mêmes. Et bien sûr, certains pasteurs trop religieux n'abordent pas le sujet. Bien sûr, c'est un sujet tabou. Et nous qu'à constater que Jeunesse Anneau a dérapé dans tous les sens. C'est pour cela, Yoka Vray, moi et Jean-François, nous posons ces questions parce que nous qu'à chercher simplement à faire évoluer la société antillaise. Oui. Alors, pas réfléchi comme un abruti pour dire, mais pourquoi il n'est pas qu'à parler de l'Afrique? Je suis pas sur Téléafrique, moi. Et pourquoi il n'est pas qu'à parler de ceci? Là, par exemple, je suis dans mon émission. Je peux aborder les thèmes que je désire. Mais quand je suis un invité, je réponds à la question de la personne aux questions de la personne qui m'invite. Et en cas trouvé normal que Jean-François puisse poser des questions par rapport à l'homme antillais et la société antillaise, parce que c'est pays haï. Et il veut, c'est auditeur haï, c'est télé anti-bougamoin. Alors il faut un peu réfléchir. Il y a beaucoup. Et troisième problème encore plus sérieux, donc troisième ou quatrième, je ne sais pas, mais le problème de chlordécone. Le taux de cancer de prostate est le plus élevé au monde aux Antilles. Le plus élevé au monde, de loin. Donc, on n'a pas besoin de prouver scientifiquement que cette population est contaminée. Avec d'autres conséquences, des cas de débilité très élevés, des gens qui sentent des choses qui n'existent pas, qui voient des choses qui n'existent pas, parce que cette contamination, ça rentre dans le sang et le sang va jusqu'au cerveau. C'est un crime. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Je dis bien, c'est un crime de la métropole. Et cela doit être puni et dédommagé. Ça, c'est opinion à moi. Mais que nous peut faire? C'est Henri Durumel et Jean-Claude Durumel, Famila, deux avocats là qui se battent pour tout le monde, tout le pays. La population ne suit pas. La population ne suit pas. On ne manifeste pas. On ne fait rien. On est assis. Et on laisse deux personnes isolées se battre pour nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? À poser aux questions, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire? Et les deux personnes, enfants du pays, qui se battent, qui nous défendent, ils n'ont aucun soutien. Mais si tous les Antillais de la métropole en faisaient une marche, on bloquait le Parlement, on manifestait à Pédiou. Les médias vont en parler. Le problème sera pris plus au sérieux comme qu'actuellement, quoi. Et puis, cinquième point, en Cadiz, c'est le prix de billets métropole-Guadeloupe. Le prix de billets métropole-Guadeloupe. Qui est extrêmement cher. Quand on dit l'égalité, et l'égalité, la continuité territoriale, normalement, il devait avoir un service de l'État, une compagnie de l'État, une compagnie sans, comme on dit, loi 1901, hein, une association loi 1901, qui a des avions, qui ne fait aucun bénéfice et qui donne des prix justes pour permettre aux outre-marins de venir en métropole, comme étant que Français, mais pas étant que touriste. C'est pas normal que l'outre-marin qui veut venir ou pour études, pour autre chose en métropole, puisse payer le même prix que le métropolitain qui va faire du tourisme. Le métropolitain va faire que le tourisme. Il faut une compagnie low cost étatique
créer une structure loi 1901 que l'État finance, où nous pourrons avoir des billets à 100 euros, à 200 euros. Vous voyez, c'est cinq points-là qui a d'enquête à moi. Si nos politiques ne soulèvent pas ce problème, moi je poserai ma candidature à la députation, je vous l'ai dit. Bien sûr, je vous avoue, dans mon pays d'origine, je suis français, d'origine congolaise. Dans mon pays d'origine, il y a vraiment plus à faire. Et je pense que cette année qui démarre, ou l'année prochaine, ou plus tard, je m'organise pour aller changer mon pays d'origine. Je suis français, mais j'ai mon cœur dans mon pays d'origine. C'est un pays qui est très riche, qui a plus de moyens, et il y a beaucoup à faire. Mais je souhaite vraiment que des députés antillais ou peuple antillais, par exemple Elie Domota, c'est vraiment un... Si Elie Domota pose sa candidature, moi je le vote tout de suite. Je vous l'ai dit, je le vote tout de suite. Je vais militer pour lui. Henri Durumel, voilà un maire, un antillais vrai. Un antillais vrai que vous devez respecter. Des gens... vraiment qui se battent pour la cause antillaise. Je souhaite vraiment que les députés antillais puissent prendre ce flambeau. C'est pas travail à moi, parce que moi-même, encore aimé les Antilles, Timouna moi né aux Antilles, mais j'ai un lot boulot à faire dans mon pays d'origine, le Congo. Il y a énorme à faire, Et je compte créer mon parti politique au Congo. Et puis, viser la présidence. Voilà, mon projet. Alors, on a parlé sur télé, on a dit, « Eh, paya ou kayoka fait, Mais il n'y a pas connaître projet à moi. Nous n'y a l'autre travail à faire. Que Dieu bénisse les Antilles. Que Dieu bénisse la Guadeloupe. Que Dieu bénisse la Martinique. Que Dieu bénisse la Guyane. Que Dieu bénisse les Antilles françaises. Que Dieu bénisse la Réunion. Et en cas souhaité que les choses changent. Aimons-nous, corrigeons-nous, acceptons la critique positive et nous peut arriver. Bon Dieu bénisote. Alors nous pouvons écouter quelques chants que moi fait, que moi composé. Et bon Dieu bénisote, nous pouvons continuer. À bientôt. Alors, bonjour, cher ami. Maintenant, nous allons parler de la parole de Dieu, la parole de vie. Nous allons lire dans Josué, chapitre 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Livre de Josué, le chapitre 1, et nous cali le verset 9. Alors nous allons lire un deuxième verset, et qui est important aussi pour nous, c'est Jérémie, chapitre 1, verset 19. Jérémie, chapitre 1, verset 19. Qu'est-ce que Jérémie, chapitre 1, verset 19, il dit, en calipozote, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole à Dieu, parole à bon Dieu, vraiment claire. Voyez, la peur, c'est quelque chose de négatif. La peur bloque notre foi.
La peur paralyse ta foi. La peur t'empêche même d'oser ce que tu peux oser. Nous allons voir dans la parabole des talents. La parabole des talents, Jésus va dire, un homme, avant de partir, a donné, a confié des talents à ses serviteurs. Il a confié 5 talents à quelqu'un, et je crois 3 talents au deuxième, et 1 talent au dernier. Il est parti. Lorsqu'il est revenu de son voyage, il va demander au premier, je t'ai confié 3 talents, qu'est-ce que tu as fait? Et le monsieur a fructifié ses talents. Il demande au deuxième, le deuxième a fructifié ses talents. Il demande au dernier, mais donne-moi ce que je t'ai confié avec intérêt. Le dernier a dit, je sais que tu es un homme dur. Il dit à son maître, je sais que tu es un homme dur. Et j'ai eu peur. J'ai enterré tes talents. Au lieu de le fructifier, j'ai eu peur de le perdre. J'ai enterré tes talents. Et le maître de la maison va dire, méchant serviteur. Il dit bien méchant serviteur. Et il va l'exclure. Et Jésus-Christ va dire, c'est comme ça que notre Dieu va nous traiter. Et mais qu'est-ce qui a empêché ce serviteur d'oser entreprendre, c'est la peur. La peur l'a paralysé. Il a eu peur de perdre. Il y a des gens qui sont capables de plein de choses, mais qui perdent. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas essayer. Tu n'oses pas commencer. Comme j'ai dit dans un de mes chants, la peur de perdre fait perdre. Quand vous avez peur de perdre, ça fait perdre. Et même en psychologie, cela s'explique que la peur peut neutraliser vos facultés. La peur peut bloquer vos idées. La peur peut vous empêcher d'avancer. Vous voyez, même à l'examen, certains élèves intelligents échouent parce qu'ils ont peur d'échouer. Et surtout dans des sciences exactes comme les mathématiques, les sciences exactes, la physique, la chimie, il y a certains exercices qui demandent pas simplement d'avoir une bonne mémoire, mais de réfléchir et d'avoir des idées. Et devant de tels exercices, quand vous avez peur, vos idées sont bloquées. Même votre réflexion est ralentie et l'échec est garanti. Et je connais des élèves très intelligents qui échouent simplement parce qu'ils ont peur. Voilà même pourquoi il est conseillé. Et moi, j'avais cette habitude quand je faisais un examen de physique ou de mathématiques, les 5 premières minutes, je le consacrais à une détente. Je ne me lançais pas tout de suite dans les calculs. Je prenais 5 minutes à me détendre, à chasser la peur en moi, à me concentrer, et après, je me lançais dans ces exercices. C'est très important de vaincre votre peur. Et je connais des gens qui savent conduire, mais qui échouent chaque fois qu'ils examinent. Ils passent le permis de conduire, il a son moniteur, il conduit bien, impeccable. Mais le jour de l'examen, ils échouent parce qu'ils ont peur. Ils prennent trop au sérieux l'examen. Ils ont tellement peur d'échouer qu'ils sont trop prudents et leur réactivité est ralentie. La peur, c'est à combattre. La peur peut bloquer même votre vie intime avec votre mari. La peur peut bloquer votre vie. Mais la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Et
Et l'une des choses, la peur et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'auras pas peur de lui. Voyez. Alors, ce que je vais vous dire, c'est, il y a la peur démoniaque aussi. Et surtout, j'aimerais vous dire que la peur n'est pas un péché. La peur n'est pas un péché. Si la peur était un péché, Jésus aurait péché. Parce que Jésus était envahi dans le jardin de Gethsémané par une angoisse intense, à un tel point que sa sueur est devenue du sang. À la place de la sueur, c'est le sang qui sortait. Et cela est prouvé scientifiquement que c'est quelque chose de faisable. Vous voyez? Jésus avait tellement peur. On dit qu'il était envahi par une angoisse tellement intense. Mais il a dit, il a prié, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Le péché n'est pas dans la peur. Le péché, c'est le fait de céder à la peur. Avoir peur n'est pas un péché. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur, même à Jésus. L'angoisse est une peur intense. Est une peur intense qui vous envahit. Donc Jésus aussi a été angoissé. Donc il n'a pas péché. On sait qu'il n'a jamais commis de péché. C'est pour ça que je vous dis que la peur n'est pas un péché, mais c'est céder à la peur. C'est obéir à la peur. Parce que quand vous obéissez à la peur, la peur est le contraire de la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Et la peur aussi est une porte ouverte à l'ennemi. Voilà pourquoi Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On va voir cela dans Job. Nous allons voir cela dans Job. Ce que je crains. On va voir ce que je crains. C'est ce qui m'arrive. On va voir ça. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25, il dit, je lis pour vous, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi? Parce que la peur est une foi négative. Jésus a toujours dit, il te sera fait selon ta foi. Autrement dit, il te sera fait selon ta peur. C'est un peu ce que Job a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà pourquoi David va dire, même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que craindre quelque chose, c'est donner l'accès à la chose. Quand vous avez peur de la mort, vous donnez l'accès à la mort dans votre vie. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes qui ont les cancers, par exemple, ou qui ont des maladies mortelles qu'on a du mal à traiter, sont parfois difficilement guéries. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ont cette maladie, automatiquement, ils pensent à la mort et parfois ils cèdent à la peur. Et en cédant à la peur, ils ouvrent une porte à la mort. Et même parfois, les prières n'apportent pas la guérison. Parce que Dieu a des principes qu'il ne peut pas contredire. Il agit par ta foi. Même Jésus-Christ, dans son village natal, il n'a pu faire aucun miracle. Même Jésus, le Dieu Tout-Puissant, dans son village natal, il n'a pu faire aucun miracle à cause de l'incrédulité, de la peur, des doutes des gens. Il a pu seulement imposer les mains à quelques personnes et a guéri quelques personnes. Donc, la peur empêche à Dieu d'agir dans votre vie. Voilà des gens, des fois, le cancer n'est pas plus fort que la grippe. Si Dieu guérit la grippe, il guérit le cancer. Si Dieu guérit les maux de tête, il guérit la diabète. Aucune maladie n'est trop dure devant notre Dieu.
Mais par contre, certaines maladies génèrent une peur chez nous les humains. Certaines maladies nous font tellement peur, elles nous font penser à la mort, que même quand on prie pour nous, l'onction n'arrive pas à agir parce que la peur empêche à Dieu d'agir. Dieu est limité par notre foi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Et nous voyons le cas de notre frère Josué. Moïse est parti. Josué était un fidèle serviteur de Moïse. Il était un fidèle serviteur de Moïse. Moïse était le leader. Voyez, vous héritez l'onction de la personne envers qui vous êtes loyal. Si vous êtes loyal envers votre pasteur, vous recevrez son onction. Mais si vous n'êtes pas loyal envers votre pasteur, vous ne recevrez pas du tout son onction. Il peut beau prier pour vous, vous ne recevez rien, parce que c'est la loi de la loyauté, la loi de la fidélité. Voyez, Josué, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec ton mentor, Moïse. Je serai avec toi comme je serai juste avec toi parce que tu as été juste. Je te donnerai ce que tu mérites parce que tu as été loyal jusqu'à la mort à Moïse. Voyez que Josué 1, c'est un chapitre unique. Dieu vient annoncer la mort de quelqu'un. Et le seul endroit où Dieu enterre quelqu'un, c'est Moïse. Dieu a enterré Moïse. Mais nous voyons que Dieu, dans Josué chapitre 1, vient annoncer la mort. Sûrement, parce que Josué avait comme habitude d'attendre Moïse. Moïse disait, Josué, je vais prier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Vous savez, quand Moïse allait prier, il ne disait pas à Josué que en cas fait 40 jours ou bien qu'a fait 21 jours. Moïse savait pas quand est-ce que Dieu allait répondre. Moïse, il allait à la montagne s'isoler, il priait jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Et Moïse montait, il commençait à prier, et Josué attendait. Et Josué ne bougeait pas tant que Moïse ne revenait pas. Et cette fois-là, Moïse est mort. Dieu l'a enterré et Josué était toujours là en train d'attendre Moïse. C'est là que Dieu va dire, je descends informer Josué, ça ne vaut pas la peine qu'il reste là. Et Dieu dit à Josué, écoutez Josué, bon, mon serviteur Moïse, il est parti, ne t'inquiète pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Toute ta vie, nul ne tiendra devant toi. C'est puissant. Hein? Nul ne tiendra. On a vu ce verset qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Les gens vont te faire la guerre. Ils vont te faire des cancans. Ils vont te trahir. Ils vont te faire de méchanceté. Mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Quelle promesse extraordinaire que notre Dieu nous fait. Ils ne l'emporteront pas. Comme dit la parole de Dieu, 10 000 tomberont à ta droite, 1 000 à ta gauche. Ils vont venir t'attaquer. Ils prendront un seul chemin pour t'attaquer et me pour fuir. Ils vont s'enfuir sur 1 000 chemins. C'est ce que ça veut dire. Autrement dit, ça sera la débandade. Et Dieu te dit, toute arme forgée contre toi sera brisée. Est-ce que Yoka pensait que bon Dieu a menti? Toute arme forgée contre toi sera brisée. Ça peut être les rumeurs, ça peut être les cancans, ça peut être la méchanceté,
Mais tout ce que on fera contre toi, Dieu te dit, cela sera brisé. N'est-ce pas merveilleux ce que notre Dieu dit dans sa parole? Toute arme forgée contre toi sera brisée. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est capable. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est merveilleux. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il faut que tu chasses la peur de toi. Malheureusement, beaucoup de gens vont jamais oser ce dont ils sont capables, simplement parce qu'ils ont la peur. Qui n'ose rien n'a rien. Et Josué avait la peur. Dieu a donné à Josué la capacité, le pouvoir. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas dit cette recommandation, cet ordre, ne t'ai-je pas donné cet ordre, ne crains point, ne t'épouvante point, car je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je suis avec toi partout où tu iras. Je combattrai avec toi, je te défendrai. Moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis avec toi. Aujourd'hui là, je voulais simplement dire aux gens de chasser la peur de la faillite, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur du lendemain. Parfois, un simple courrier recommandé nous fait paniquer. Parfois, moi, j'avais un courrier recommandé à Pédisote. Cela m'a inquiété. J'avais eu un courrier recommandé, j'étais dans des inquiétudes, vraiment, je m'inquiétais. Je m'inquiétais parce que aujourd'hui, quand vous avez un courrier recommandé, c'est rarement des bonnes nouvelles, hein? Et c'est là que je me suis rendu compte quand même, il y avait une certaine peur en moi, que je ne devais pas avoir cette peur. Vous savez, la peur peut être le résultat du traumatisme. La peur nous empêche d'aller à l'offensive. Vous voyez, David n'avait pas peur, il est allé à l'offensive. Vous savez, il y a des combats où le premier attaqué gagne. Écoutez-moi bien, il y a des combats où le premier qui attaque gagne. Le premier qui surprend l'autre. Il y a tellement égalité de force d'un côté comme de l'autre que le premier qui surprend l'autre prend un avantage des fois irrécupérable, irrattrapable. Parfois, on a peur d'attaquer. Mais David n'a pas eu peur. Toute l'armée d'Israël avait peur devant Goliath. Les frères de David, malgré leur expérience militaire, avaient peur de Goliath. Mais David n'avait pas peur. David a dit, qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu Tout-Puissant? Vous savez, des fois, parfois, la peur est entretenue par nos échecs du passé. Vous savez, il y a des gens qui ne retiennent que leurs échecs. Il y a des gens qui retiennent que leurs échecs et qui perdent confiance en eux-mêmes. Et il y a des gens, même avant de démarrer une affaire, ils pensent à l'échec. Et si ça marche pas? Et pourquoi pas si ça marche? Il se pose jamais la question si ça marche, mais il se pose la question et si ça marche pas. Bien sûr, la question elle-même n'est pas mauvaise. Et quand on mène une affaire ou un combat, on prend toutes les options. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Et on se dit, si ça marche pas, il y a une deuxième solution, je rebondirai comme ça. C'est pas mauvais de réfléchir dans ce sens-là. Mais ce qui est mauvais, c'est de penser à l'échec et de laisser envahir
par la peur de l'échec. Et cela va vous empêcher d'oser avancer. Cela va vous empêcher d'oser. Et même quand vous osez faire le pas, vous allez le faire pas franchement. Vous allez le faire dans la peur, dans la retenue, dans les doutes. Et cela va vous amener parfois à échouer. C'est pour cela, encore dit souvent, la peur de l'échec nous amène à l'échec. La peur de perdre fait perdre. Vous devez chasser la peur en vous. David n'a pas eu peur. David, le plus tôt, il s'est rappelé de ses réussites. Et puis aussi, c'est important de ne pas être entouré par de peureux. La peur peut être contagieuse. Hein? La peur peut être contagieuse. Remarquez bien, lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, ils sont allés espionner Cana, 10 espions ont fait un rapport négatif. Ils ont dit, nous avons été dans ce pays de Cana, il y a des raisins, c'est fertile, mais nous avons vu les habitants de ce pays. Ils sont des géants, ils sont forts, ils sont costauds, on ne tiendra pas devant eux. Automatiquement, la peur a envahi tout le monde. La peur a envahi tous les camps d'Israël. Voyez, il n'y avait que 2 personnes, Caleb et Josué, qui n'ont pas eu peur, qui ont dit au peuple, n'ayez pas peur, on va battre ces gens, mais n'ont pas été écoutés. La peur peut être contagieuse. Voilà pourquoi je vous dis, choisissez bien les gens qui vous entourent. Si vous êtes entouré de peureux, vous voulez ouvrir un magasin, et lui, il a ouvert 3 magasins, il a échoué, il vous dira, mais ça marche pas, ça marchera pas, si ça pas qu'à marcher, si ça. Pareillement, les gens qui ont connu des échecs dans le mariage, avant même de se marier, ils ont peur Moi, j'ai vu même des hommes qui ne se marient plus, qui ne se remarient même pas, qui ne se donnent pas la chance d'être heureux parce que ils ont connu l'échec dans leur passé et ils ont du mal à croire que le bonheur, c'est possible, qu'ils peuvent vivre autrement. Ils ont du mal à se marier. Certains disent, mais pasteur, lorsque je me marie en concubinage, ça va très bien. Quand je me marie, les relations se détériorent. Certains même font référence à leurs échecs passés, alors que, comparaison n'est pas raison, dans le passé, tu n'étais pas avec Dieu, dans les contextes dans lesquels ton mariage a échoué ou tu avais échoué dans le passé, c'est pas le même contexte actuellement. Donc, des fois, nous faisons pas la part des choses, nous comparons mal les choses et nous avons des conclusions et des déductions fausses. Alléluia. Vous avez la victoire. Chassez la peur de votre vie. On a vu dans Deux Rois chapitre 6, à partir du verset 8, le serviteur d'Élisée qui avait peur. Le serviteur d'Élisée, lorsqu'il s'est réveillé le matin, il voulait sortir de la ville. Il a vu une armée des Syriens avec des chars qui entouraient la ville. Et cette armée était venue pour capturer Élisée. Et le serviteur d'Élisée, il a eu peur, il a dit, mais Élisée, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Élisée n'avait pas peur. Parce qu'Élisée voyait des choses invisibles. Élisée a dit, n'ayez pas peur. Et Élisée a prié pour ce serviteur, pour que ce serviteur voie ce qu'il ne voyait pas.
Et le serviteur, lorsque Dieu l'a ouvert les yeux, Dieu a exaucé la prière d'Élisée, il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et ce monsieur a vu une armée d'anges, une armée d'anges sur la montagne autour d'Élisée. Et parfois nous avons peur parce que nous n'avons pas de révélation. Comme on dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Lorsque vous n'avez pas la révélation, croyez-moi, avec tout ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, vous allez paniquer. Vous allez paniquer, la peur va vous envahir. Voilà pourquoi vous devez marcher par la foi, vaincre votre peur. Voyez, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que Jésus a déjà vaincu pour vous. Jésus a dépouillé Satan. Satan est vaincu. Jésus-Christ s'est dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Satan ne peut pas te nuire. Il est vaincu, il est dépouillé. Mais le problème que nous avons, c'est la peur qui nous envahit, qui nous empêche d'expérimenter cette victoire. La victoire de la croix est une réalité, bien-aimée. Vous avez la victoire. Vous avez déjà la victoire sur la maladie, sur les crancans, sur les coups bas, sur le complot. Vous avez la victoire et vous êtes invincible. Maintenant, si vous avez la foi, cette victoire va devenir réalité. Mon juste vivra par la foi. Mais si vous avez la peur, c'est fini. Je me rappelle d'une histoire. Vous voyez, d'une histoire où quelqu'un, un homme a laissé son enfant dans la maison. Un homme a laissé son enfant dans la maison. La maison était blindée. Vous savez, en Afrique ou à Saint-Domingue, les maisons sont blindées. Quand je vous dis blindées, c'est pas des aluminium, hein, comme vos stores en aluminium, c'est du vrai fer. Parce qu'ils sont moins chers aussi en Afrique. Le père va dire à son fils, écoutez, quoi qu'il arrive, sors pas de la maison, n'aie pas peur. Même quand les bandits viendront, quand ils voudront casser la maison, ne t'inquiète pas, ils ne pourront pas entrer. C'est bien blindé ma maison. Je sors, je reviens dans quelques heures. Et le père sort, des voleurs viennent, des voisins. Et des fois, les voleurs ne viennent pas de loin. Hein. Enfin, c'est les voisins qui vous observent, qui vous guettent. Et les voleurs viennent, ils vont essayer de forcer la porte. Ils vont forcer la porte, ils vont frapper, ils vont faire du bruit, ils vont frapper par tous les moyens. Ils n'arrivent pas à rentrer. Mais le problème, c'est que la peur envahit les garçons. Les garçons étaient tellement traumatisés par le bruit, il a douté de l'efficacité de la porte, il a dit « je me tire avant qu'il rentre ». Il va par la porte du derrière de la maison, il l'ouvre et il prend la fuite. C'est alors que les voleurs vont le voir de loin en train de courir. Et les voleurs étaient plus rapides. Les voleurs l'ont rattrapé. Et il a été enlevé. Vous voyez, c'est la peur qui a poussé ce jeune garçon à sortir par derrière et à prendre la fuite. Il suffisait simplement qu'il fasse confiance à son père, qu'il reste dans la maison. Les voleurs allaient se fatiguer et partir. Parce qu'il a eu peur, il a cédé à la peur, lui-même s'est exposé. Cela illustre un peu la vie chrétienne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vaincu pour toi et moi.
Jésus a vaincu les démons, Jésus a vaincu la sorcellerie. Mais c'est la peur qui fait que nous sortons à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui est à l'abri du Tout-Puissant, repose sous la protection de Dieu. Tu ne craindras ni la flèche, ni la contagion, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau. Voyez? Tant que tu restes dans la maison, dans l'obéissance, dans la parole, ils ne pourront pas t'atteindre. Mais c'est parce que parfois, nous cédons à la peur. Et lorsque nous cédons à la peur, j'ai vu une femme qui a peur que son fiancé s'en aille et il va coucher avec lui. Elle me dit, j'avais peur qu'elle s'en aille. Et des fois, nous avons peur de perdre. Et la peur nous pousse à prendre des raccourcis parfois, qui sont en dehors de la parole de Dieu. Et voilà comment nous sommes plus que vainqueurs. Mais c'est les échecs que nous vivons. Voyez l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés devant la mer. Ils ont parcouru des jours et des jours dans le désert. Ils arrivent devant Canaan. Ils auraient dû rentrer. Mais la peur les a empêchés de vivre les promesses de Dieu. Combien de promesses Dieu nous fait, des fois nous ne la vivons pas. On dit, ah mais Dieu m'a promis ça, je ne comprends pas. Cela ne s'est pas réalisé, mais Dieu m'a promis ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas vu cela s'accomplir, Dieu m'a. Mais c'est parce que parfois, nous laissons la peur prendre la première place dans nos vies. Vous devez chasser la peur, refuser d'avoir, de vivre dans la peur. Alors, vous me direz, mais comment vaincre la peur? Comment vaincre la peur? Et la première chose, vaincre la peur, c'est faire taire vos émotions. Refuser de céder à la chair. Crucifier la chair. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, crois-moi, plus les tendances de la chair sont opposées aux tendances de l'esprit. Plus vous êtes rempli de l'esprit, moins la chair, vos émotions auront le dessus sur vous. Plus l'homme extérieur se détruit, plus l'homme intérieur se renouvelle. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et l'homme extérieur se détruit par le jeûne et la prière. Quand vous jeûnez, vous priez, et quand vous ne cédez pas aussi à la chair va commencer à perdre son emprise sur vous. La chair, c'est comme une plante. Plus elle est arrosée, plus elle pousse et plus ses racines pénètrent bien le sol et il sera difficile à déterrer. Plus vous cédez à la chair, c'est-à-dire plus vous arrosez une plante, plus vous obéissez à la chair, voyez. Vous obéissez à la fornication, vous obéissez à la colère, vous cédez à la colère, et plus la chair aura de l'emprise sur vous. Et les gens charnels, ce sont des gens qui sont souvent esclaves de leurs émotions et qui ne savent pas résister à leurs émotions. Donc la première chose, crucifiez la chair et laissez le Saint-Esprit vous remplir. La deuxième chose, confessez la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Devant certaines circonstances, déclarez la parole de Dieu. La troisième chose, rappelez-vous de vos victoires. Les échecs, enterrez-les, oubliez-les. Retenez les bonnes leçons, parce qu'il y a certains échecs qui nous apprennent des choses. Mais enterrez-les. Voyez, David, quand il est arrivé devant Goliath, il s'est rappelé qu'il avait vaincu un lion, tué un lion, un ours. Mais sûrement, il a eu des échecs. Sûrement, son père l'avait sous-estimé. Mais il s'est pas rappelé il n'a pas dit à Goliath, mon père m'a sous-estimé, me croyait pas fort. Non.
Il s'est rappelé de votre victoire, de ses victoires. Et puis, on voit que l'empereur souvent parlait en langue, demandait l'aide du Saint-Esprit. Il y a des situations devant lesquelles vous pouvez avoir la bonne volonté, mais si le Saint-Esprit ne vous aide pas, vous ne pourrez pas résister. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous sur la paire. Que Dieu vous bénisse et tenez bon. Je vous dis, j'ai composé un chant. Je suis auteur-compositeur. Maintenant, j'ai plus de 650 chants. Un non produit. Alors, j'ai composé ce chant. Et je suis pas chanteur, hein. Je suis pas chanteur. La voix, c'est pas encore ça. Et la musique est un démo. Voilà, c'est pas vraiment une musique qui est encore définitive, mais je voulais simplement partager avec vous ce chant qui me rappelle le thème que j'ai écrit ce matin même et qui me rappelle le thème de la prédication. Suivez. Ce que je crains, voilà ce qui m'arrive. Jésus-Christ s'est dit, ne crains point, crois seulement. La peur, c'est le contraire de la foi. Crois seulement, ne crains point, fortifie-toi, chrétien, et tu vivras la victoire. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, je ne crains de rien. Je ne crains de rien. Un pont, je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Sa houlette et son bâton, voilà mon réconfort. Je ne crains de rien, car il veille sur moi. Non, 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 je ne crains de rien. L'Éternel est avec moi, je ne crains de rien, l'Éternel est avec moi, je ne crains de rien, toute arme forgée contre moi sera brisée, je le sais, ils viendront contre moi par un seul chemin, ils fuiront par mille chemins, 10 000 tomberont à ma droite, 1 000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint. La victoire est avec moi. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien. L'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1, verset 19. N'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Fortifie-toi, je serai avec toi, comme je dis avec Moïse. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Effrayé ni épouvanté. Tout lieu que foulera la plante et toi accouiller, je vous le donne. Effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi, prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles.